Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starbound. Alors, dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sur la planète. Oula, ça a pas l'air sympa. C'est une planète empoisonnée. Enfin, d'ailleurs, je me prends des plus acides, je crois. Faut que je fasse attention parce que... Voilà. C'est ça que je voulais faire. Que je voulais éviter. Donc les pluies acides apparemment ça nous fait des dégâts puisque j'ai pris des dégâts sans rien faire. Là il y a de l'acide au sol. Évidemment ça, ça m'empêche de passer. Si j'avais sauté, j'aurais un grand vide. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais passer par ici. De pas y passer. Ça fait très mal. Je vais attendre qu'il finisse de pleuvoir alors pour m'avancer. Je prends 3 dégâts. J'ai rien contre la... Voilà, donc je suis sur une planète empoisonnée. C'est pas cool. Comme on le voit là, sur la droite. Il y a une... marée de poison. Ah, j'ai bonne chose. Alors, je pourrais essayer de traverser, mais ça a l'air d'être tendu quand même. Je pourrais avancer comme ça aussi, en faisant un parapluie. Le problème c'est que plus c'est haut, moins ça va être efficace. Bon, j'ai pas d'espoir que ça arrête de pleuvoir quand même assez rapidement. J'espère qu'il pleut pas. Ça a pas l'air d'être vraiment sympathique comme planète. Je vais l'explorer, mais c'est vraiment pour voir ce que je peux y trouver. C'est vraiment une destination de rêve. Les monstres meurent rapidement. Plus c'est des îles. Je crois que je vais m'en aller parce qu'il n'a pas l'air de pouvoir s'arrêter de pleuvoir. Et j'ai un océan de... un océan de poison sur la droite et sur la gauche. Bon. C'est très inhospitalier comme planète. C'est pas vraiment une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a à Wither? Une pluie acide. Alors je suppose qu'on peut s'y immuniser d'une façon ou d'une autre. Sinon ça veut dire qu'on peut pas on peut pas aller sur cette planète, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de pas pouvoir y aller. Donc j'avais fait le tour, hein. J'avais été sur la planète ici Frozen. Et donc il n'y en avait pas d'autres intéressantes. C'est une planète océan, ça c'est une planète frigide océan. Et il y en a une deuxième et une troisième. Très bien. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va essayer d'aller sur l'arc. J'ai plus de chocolat ici. On va aller sur l'arc et on va voir si on va pas faire une mission secondaire. Par exemple. Est-ce que les PNJ qui sont là ne me donneraient pas une mission d'arène ou je ne sais quoi? Ils me donnent rien.
je lui, elle. Ah, la Fire Knight. Ah oui, elle m'avait dit qu'il fallait... J'ai combien d'argent? 7000. Faudrait peut-être que je pack mon argent. Éviter de tout perdre. Surtout qu'avec 7000, il manque 3000, je crois, pour avoir le niveau suivant du vaisseau. De mémoire, parce que je sais aussi que j'avais dépensé de l'argent pour mon armure, et donc c'est pas évident. Je vais peut-être dépenser... 2000. On va en sauver un maximum. Oui, donc c'est ça, effectivement, j'ai 3 fois 10 000, une fois 5 000, une fois 2 000. Donc il me manque 3 000. Voilà, et donc je vais aller faire le Fire Knight. C'était pas ça. On s'échappe. Je me suis trompé, il fallait utiliser le téléporteur. Ça fait beaucoup de téléportation, j'espère que ça donne pas mal au cœur. Mal au cœur. J'irai pas de vomir partout. Mon bâton, déjà je pense que ça devrait relativement bien marcher. Déjà c'est presque. C'est les ZAD qui me tuent. Alors éventuellement il faudra peut-être que je reste à côté de lui. Je vais réessayer tout de suite. Bon, je vais peut-être perdre 700 d'or, c'est pas beaucoup. 700 d'or, c'est pas beaucoup. Je vais peut-être même l'entamer au lance-roquette, on verra. Et que j'enchaîne, le problème c'est qu'il va falloir le temps d'incantation. Simple ainsi. Donc, je vais m'occuper de ces ailes. Je
apparemment. Je sais pas ce que tout le monde est mort. Bon voilà, avec une préparation et en sachant ce qui m'attendait, c'était pas si dur. Une fois, puis je retourne à l'arc pour récupérer ma récompense. Et vu comme ça s'est merveilleusement bien passé par. J'ai récupéré quoi, son épée? Dommage 30 par swing, c'est plus que celle-là et ça frappe moins vite par contre. Qu'est-ce que ça donne si je l'utilise? Y a pas d'enchaînement en plus. Ça j'aime bien. Je vais la garder, on verra ce que ça donne. Vu qu'il n'y a pas d'enchaînement, je suis pas hyper fan. On va aller voir Sail. On va lui demander, tu veux bien m'envoyer voir Bradwin? Au moins il va falloir le faire réouvrir quand même ça. Voilà, ici il meurt vachement plus vite qu'avant. C'est une bonne nouvelle. À fond, je suis à 176. C'est pas très rond comme nombre. Moi, je me demande d'où ça vient. Pas été tout de suite parce qu'il avait été très dur à battre, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus simple maintenant. J'ai peut-être trop attendu, ça va peut-être être trop simple. Ending prohibition. Et bien, c'est un collègue Redwing, le pingouin. On va aller voir ce qu'il y a par ici. Il reste peut-être quelques pains, tout à fait. Il y a un mur invisible, d'accord. Bon, la mission est finie, je suppose qu'il faut simplement que... Ah, pardon, c'est pas suffisant. Alors on va retourner à l'entrée, il y a peut-être le pingouin qui est venu, qui va me valider la quête. Gardez l'arme en main quand même. Quand je suis en mission comme ça, mais ma barre de feu ne descend pas, et mieux, elle remonte. J'avais un peu faim, peut-être que je reparte ici. J'ai tué tout le monde, de toute façon. Il y a un passage sur la gauche, mais ça va être pareil, ça va être bloqué, ça va finir en invisible. Ça va finir en invisible, surtout.
faire partir le téléporteur. J'ai pas le message, je suppose que c'est bon. Ça. C'est parce que c'est son nom de pain. Voilà, bon, merci. J'ai eu droit à un lance-flamme. Oh, c'est rigolo. C'est dommage que j'en ai intégré dans la fuel air tray. Là, je vais l'essayer quand même. Et lui, il me rend des doublons. D'accord. Donc, je peux acheter des doublons pour 3 diamants pour un doublon. Et il me semble que le marchand. Marchand de trophées, accepter des doublons, il fallait 10 doublons comme ça pour eux. Et lui, ah oui, c'était quelqu'un qui faisait des armes expérimentales. Il voulait que je le tue, donc je détruise son arme pour qu'il arrête de travailler dessus. C'est rigolo. On laisse le gaz et il s'enflamme à la fin. Et on peut le faire, je suppose, tant qu'on a de l'énergie. Oui, c'est un commandant. Bon, et bah c'est rigolo. C'est rigolo, mais ça, sans plus, ça va s'arrêter là. D'accord, donc ça va être le boss derrière. Avec cette méthode, c'est un peu de la triche. Je vous l'accorde. Qui va faire un MK2. C'est pas vraiment ce qui était prévu. C'est un codex. Si je le lis, j'ai quoi? Non, j'ai pas un plan. J'aurais bien aimé avoir son truc, ça avait l'air sympa. Ce qu'il va me vendre un molten boomerang et un stun clone. Finisher, thunder punch, shockingly effective. D'accord, et le molten boomerang. Alors c'est une sorte de fabrique plus qu'autre chose, puisqu'il me demande pas de l'argent, il me demande des composants. Ok, bon, ça m'intéresse moyennement. Je vais aller voir l'autre pingouin pour voir s'il ne me donne pas une nouvelle quête.
aller jeter un œil à ce fameux vendeur. Il y a le boomerang ici, le molten boomerang, mais il y a aussi un boomerang gelé, une épée et 4 épées en fait. Il y aura peut-être moyen d'avoir d'autres armes par la suite. J'ai pas gagné grand chose sur les deux missions. Et donc les doublons, ça doit servir uniquement. En tout cas, ça sert à ça. Quelque part ici, je peux acheter avec des doublons. 10 doublons, ça me fait un costume de pingouin. Et c'est tout. Voilà, voilà, voilà. 10 doublons, donc c'est 30 diamants. Et donc je vais me mettre. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Ça, je le range. Ça, je le vendrai. Ça, c'est des codex. Ça, c'est à vendre aussi, voire à acheter. La pierre est grande en plus. Et là peut-être sur le frigidaire. Parfait. Donc ça n'a pas l'air de pourrir du tout la viande. Hein. Pour le moment ça reste frais. Et c'est très bien ainsi. Frozen Star, ici j'ai pas dû y aller. Il y a un portail, j'ai peut-être été. Ah, il y avait des astéroïdes, j'ai pas visité les astéroïdes. Donc j'ai peut-être pas été en fait. Ou alors j'ai oublié, je suis parti sans les. Sans... On a quoi ici? Une baleine. Une baleine. Une frigide. Ah, où j'y avais pas été parce qu'il y avait pas du tout ce qui m'intéressait. Allez, on va essayer celle-ci. La 1 c'est une Frozen, c'est très bien. La 2 c'est une Frozen, c'est deux fois très bien. La 3 c'est une océan. La 4 ça serait une frigide océan. Et la 5 une frigide océan. Bon, on va essayer d'aller sur Icarus Crest 1. Je m'éloigne de plus en plus de mon lieu d'origine. Mais c'est ça l'exploration également. C'est aller visiter de nouvelles choses. Je vais faire cuire la viande que j'ai récupérée. Parce que j'ai récupéré de la viande, je ne sais trop bien. Je vais bientôt. Je vais dormir un peu pendant le voyage. J'ai dit que j'avais 2000 voxels, je vais faire de la monnaie si je peux. 2000 et 2000, ça fait 4000, je ne peux pas. Donc 500 voxels. 500 pixels, pardon. Et bien, dans ce cas, je vais tout simplement ranger ceci. Les diamants, je vais les poser aussi parce que ça vaut des ressources. C'est assez précieux, je voudrais pas les perdre bêtement. Un malentendu. Ça. On va faire un peu de cuivre, un peu d'argent, histoire de stack. Je vais poser ça. Et je vais m'arrêter pour cet épisode. La prochaine fois, nous irons donc, nous descendrons sur une planète gelée. Ça manque un peu d'originalité, mais je n'ai toujours pas trouvé. Je peux remettre le suivi de quête. Cobblestone, ça je vais l'abandonner. Hop. Je n'ai toujours pas trouvé ce qu'il me faut en termes de d'indices pour les apex. Donc j'essaierai de descendre, trouver des apex. J'ai une deuxième planète pour trouver les apex juste à côté. Et j'espère trouver ce qu'il me faut sur une de ces deux planètes là, ou les deux s'il faut.
Voilà, et il faudrait que je récupère également quelques caméras pour l'amélioration de mon vaisseau. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode de Starbound.